Meiji, le géant nippon des produits laitiers, rattrapé par la catastrophe de Fukushima. Le groupe a détecté du césium radioactif dans 400 000 boîtes de lait en poudre pour bébés. À raison de 31 becquerels par kilogramme, la teneur est bien inférieure au plafond légal de 200 becquerels. Meiji a cependant rappelé les lots concernés. Dès cette annonce, j'ai vérifié la marque du lait que j'utilise, dit cette maman. C'est bien le lait Meiji, mais pas celui mis en cause. Je vais quand même arrêter d'en acheter pour l'instant. C'est difficile de savoir qui croire, dit cet autre. Nous pensions que certains produits étaient sûrs et j'évitais ceux du nord-est du Japon. Mais je n'aurais jamais pensé que le lait pourrait être affecté. Pour rassurer ses clients, Meiji s'engage à publier dorénavant les résultats des tests effectués sur chaque lot produit. La contamination de ce lait importé serait intervenue lors du processus de transformation effectué dans une usine de l'est du Japon en mars, peu après l'accident nucléaire.